Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Forge de Magie. On va s'intéresser cette fois-ci à un pullpan et on va essayer de passer à 1% RPO. Alors idéalement 3% RPO, mais 2% ça ira aussi. Si on a du 1%, bah, je sais pas trop ce qu'on fera, on verra. On tentera peut-être le succès crit sur de la res mêlée ou distance, enfin on verra. Mais j'ai vraiment envie voilà, d'avoir un pullpan PO quoi, donc on va tester ça. J'ai signé un premier puits PA, j'ai 98,4 de puits. Eh bien, c'est parti. Alors, on va remonter la vie en premier. A priori, la chance, on pourra s'arranger pour tomber à 70 piles. Alors, on a moins 3. Hop. Et moins 10. Alors, la chance, on va y aller avec de la pacha. Jusque 60. Oh, bah, les petits crits, là, ça fait plaisir. Moins 6. Décidément, ça commence plutôt bien. Eh ben, pas mal. Si on peut avoir ça sur le PO à la fin, ça m'ira très bien. Bon, là, ça, je laisse un peu pas toucher. On va remonter, bien sûr, les esquives. Moins 7. Et bien, décidément, on a une magnifique tenta ici pour commencer. Donc là, ça nous fait 12, 12 tentas. Qu'est-ce que je peux faire avec la poussière depuis que j'ai un rab? Je ne peux rien faire. Donc, on est parti de la RSR, j'ai dit. Hop. Ah, ce serait marrant qu'on ait direct un 4% sur le dès le début de la vidéo. À voir. Bon, 2, on a déjà des 3%. J'ai jamais eu de tenta à 4% sur un pullpagne. On n'a pas le PA. Deuxième tentative, alors ici j'avais un de puits résiduel. J'ai fait tomber le PA sur une petite rune Pacha. J'en ai passé une en crit, hein, donc ça me fait 98 de puits. Ça va faire un jet plutôt clean à 60, 70 de chance. En espérant hein, bien sûr que le PO sera là à la fin. Alors l'initiative. Merde, j'ai oublié de mettre l'over, forcément que ça fait de la merde. Je me suis fait un moins 1 comme un débile là. C'est bon si je raconte ma vie en même temps. J'ai fait un plus 3, enfin un moins 4 là. Hop, voilà. Bon, je vais peut-être les récupérer là-dessus. Voilà, je les récupère donc aucune perte. Mais ça aurait pu me faire perdre du puits. J'ai pas été attentif. J'ai mis l'initiative avant de faire l'over vita. Donc là, j'ai du coup moins 9. Donc je retombe sur mes pattes. J'ai rien perdu. Mais ça aurait pu ne pas être le cas. Voilà, donc là j'ai un moins 6 de vitalité. C'est pas de chance. Ça me fait 345. Moi j'aurais préféré 346. Mais c'est pas grave. Ensuite, la chance. Ok, deux crits. Deux crits, c'est plutôt sympa. Alors, 75 de puits. Et bien, une fois de plus. Hein. Alors là, j'ai 3 de puits en rab. Ce que je peux faire, c'est tenter une rune qui pèse 3. Est-ce que c'est de la pafo, ça? Oui, c'est de la pafo. Je vais tenter une pafo. Si elle passe en crit, hein, ça me fera une tentative de plus. Et bien, c'est le cas. Donc, ça me fait comme 78. Donc, c'est bien là le petit cas d'école hein, pour ceux qui veulent apprendre. Très souvent, donc moi dans mes vidéos et sûrement d'autres forges mages, quand on a du puits en rab, là on est d'accord que 72 hein, c'est un multiple de 6, donc j'étais à 75, j'avais 6 de puits de trop, 3 de puits en trop, et donc je pouvais les tenter en crit, ce qui me fait en fait que la prochaine rune elle va prendre ça et elle va prendre du puits donc elle pèsera que 3. Donc en faisant ça, en fait j'ai gagné une tenta. Donc ça me fait pas 12 mais 13, hein, parce que là maintenant divisé par 6, ça nous fait bien 13. 13 tentatives sur les res R. Donc nickel que j'ai pu vous montrer ça et vous expliquer un petit peu. Bon, en espérant que ça va bien se terminer. Et alors 1%, 2%, 3%, on a un crit ici. Donc on a une tenta supplémentaire. Et là vous voyez, voilà, je n'ai pas de problème. Rien qui tombe sur l'item, hein, tout est bien. Et le petit PA qui ne passe pas. Tentative suivante, alors là j'étais un petit peu en train de remonter mon G et j'ai à nouveau le PA qui tombe. Donc j'ai un truc qui est pas très très clean, j'ai 87,8 de puits, on va voir comment on peut exploiter ça, mais je suis pas... J'ai conscience que ça peut être compliqué quoi. On va y aller sur déjà deux rachats. Hop, ok, ça passe plutôt bien. Ensuite on va enlever le petit over avec une res fixe. Hop. Ensuite la vita. On a moins 9, moins 19, hop. Il est à l'initiative. Moins 6, dommage. Une passa qui passe, moins 9. Ensuite, les dommages hauts. Bon, ça me laissera pas énormément de puits à la fin, je pense. Si j'ai du crit comme ça. Moins 10, mais bon, ce sera correct. Hein. Puis de toute façon, comme ça se termine en tenta PO, là je cherche pas forcément à avoir. Enfin, c'est toujours mieux hein, si j'ai plus de res, mais si j'ai ne serait-ce que 2%, ça me va très bien. Moins 14 là-dessus. Ça nous fait donc 28. Donc là, pareil, il faudrait que je gagne 2 depuis. Donc on va essayer d'y aller. On va essayer d'y aller avec un crit sur les res. Hop!
pas de crit. Donc là, bon, après ces 200 morts, c'est un petit peu mort. Ça me laisse donc 4 tentatives. 4 tentatives, allez, 1, 2, 3 et 4. Bon, 2%, c'est très bien. Si je peux avoir le PO là-dessus, ce sera nickel. Le PO, le PO, le PO. Allez, on y croit? Tant pis. Bon, eh bien, 2 runes plus tard, j'ai le PA qui retombe. Hein, s'il faut regarder dans l'historique, là, par rapport à quand j'ai repassé le PA, on est vraiment juste après. Juste, je crois donc que j'étais tombé à 0 de puits, hein, très probablement. J'ai pas envie de compter, mais je pense. Hein, là, j'avais 2 moins reliquats et j'avais des poussières de puits restants. Donc, on va dire 94. Et bah, on a du coup un G qui est presque, presque bon, quoi. Moins 3 ici. On n'aura pas grand-chose à remonter. La vitalité, on la touche pas. Moins 10, la sagesse, on va arriver à 40, c'est parfait. Hop, moins 18, les dommages hauts, et on est parti pour les raises. Moins 5, 58. Donc là, pareil, il faudrait que je gagne éventuellement 2 depuis. Si ça pouvait être le cas, ce serait pas mal. Ça me permettrait d'avoir 10 tentats. Est-ce qu'on a un crit? On n'a pas de crit, je peux encore tenter une fois. Toujours pas de crit. Je peux encore tenter, hein. Tant que j'ai pas un moins reliquat, voilà comme ça. Là maintenant c'est. Là je peux encore tenter théoriquement, mais il m'en faudrait 2 crits, donc je considère que ça a tellement peu de chances d'arriver que j'ai plus de chances de me foirer que de gagner quelque chose. Donc j'ai 9 tentas. On va y aller comme ça. 9 tentas sur les raises. Hop. Donc là je les récupère celle-là, hein, donc ça c'est comme si elle m'avait rien coûté. Hop, on enchaîne. Donc là, je viens d'avoir le PA qui est tombé avec des runes crit. J'ai 97 depuis. Va falloir faire overvie et overchance. Hein. Là, j'ai un G qui ne m'arrange pas trop, qui est un peu moisi. En plus, on a 38 de Sasa. Enfin, c'est pas le meilleur truc qu'on a eu. Et on va faire avec. Hop, moins 10. Alors, je vais essayer de baisser avec une rune innée plutôt qu'une rune innie. Certains trouvent que la rune innie a tendance à faire plus souvent des moins 6 que les runes voilà, caractéristiques simples comme celle-ci. Mais il n'y a aucune donnée fiable là-dessus, moi c'est pas quelque chose que j'ai spécialement constaté, mais bon bah ça coûte rien de tenter. Est-ce que j'ai un plus un moins 5? Ouais là j'ai un moins 5. Bon c'est. Sur une fois comme ça n'a pas vraiment de valeur. Mais bon, dans le doute, hein, maintenant je vais essayer d'aller avec des innis, puis on verra si on peut voir s'il y a une tendance à avoir plus du moins 5 ou du moins 6, hein, c'est les petits trucs de l'AFM ça, quoi. Personne ne sait exactement comment ça marche précisément. Alors, ensuite la chance. Hop, le crit. Pareil, certains trouvent que quand il y a un exo, il y a plus de chances d'avoir des succès crits sur les runes, mais bon, pareil, hein, pas de données fiables là-dessus. Là, on a moins 9. Et un crit. Et bah, décidément, ça se passe plutôt bien quand même, on a rattrapé les choses. Hop. Et il reste juste une esquive PA à remonter, qui passe, moins 5. Donc là, 70 de puits. À nouveau, on va essayer d'avoir un crit sur de la res simple, ce qui nous montrera 72, et ce qui serait assez appréciable. Eh bah, décidément. Ok, donc on a là le moins 2, donc c'est mort. Donc ça nous fait. Ça nous fait 11 tentatives. Une. 2%, c'est correct. Mais là, c'était même pas terrible, parce que comme en fait, je suis allé à plus 4 res fixe. Ça a fait que ça aurait fait un double exo si c'était passé en tapant dedans, donc je pense que là il y avait moins de chances que ça passe. Donc il aurait peut-être été plus sage de m'arrêter à un exo de 3 res haut et de pas aller jusque 4. Bon, de toute façon, si je les ai en PO sur 2%, moi ce sera nickel, mais pas de PA. Tentative suivante, alors 94,2 de puits. Alors qu'est-ce qu'on met MP? Un nanotique. Ouais, j'essaie de choper un nanotique PM. Je n'ai passé commande là à un pote, mais j'espère qu'il va y arriver. J'ai déjà eu pas mal de tentats aussi sur ce genre de G. S'il le passe là-dessus, ça ferait un bel item, hein, c'est clair. Sublime. Alors, bon, on revient à nos oignons. On a 94,2 de puits. On a ici une très belle tenta qui va faire un G presque perf. Il manquera un de vita. Mais ce sera propre, hein. Moins 3. Hop, le crit ici, toujours le bienvenu. Deuxième crit. Oh bah c'est pas mal, hein, moins 10 pour passer 3 grosses runes là. Ça va nous laisser pas mal de tentatives je pense sur les raises à la fin. Alors moins 7. Moins 6. Et moins 6 donc moins 12. Hop. Et on a là 62,2.
Alors, on va pas faire les choses à moitié, on va quand même tenter le double succès crit là-dessus. Je ne l'ai pas ici, je ne l'ai pas. Ok, donc ça me laisse 10 tentas. 10 tentas là-dessus, let's go. Hop, 1, 2. Bon, 2%. 2%, c'est très clean. Tant pis. On a ici une tenta plutôt sympathique à 99,4 depuis. C'est parti. Alors, la vita, moins 3. Hop. Par bien sûr, en over. Moins 20. Alors là, j'ai 7. On va essayer d'y aller avec une réfixe, hein, ce sera bien. Hop. Voilà. Ensuite, la chance. Moins 3. 10. Bon, là, je peux mettre une inni, une iné, enfin, ce que je veux. En général, ça pose pas de soucis. Ça passe en plus. Et ça me fait 64 depuis. Je peux tenter un crit à la païnée. Si j'ai un crit, normalement c'est bon, mais bon, c'est assez faible en pourcentage là. Allez, je peux tenter. Hein. J'ai un crit à la païnée. Non, pas de crit. Et là, je vais pas aller à plus que 6. Comme tout à l'heure, hein, j'ai pas envie de risquer d'avoir un double exo, donc on va rester là-dessus. Et donc, je suis parti pour 10 tentas. Hop! Let's go. Alors, 1, 2, 3. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit 4% quand même? Ah, on a un 4% ici. Je peux passer un 4% pendant la session, ça peut être sympa. C'est la première fois de ma vie que j'ai un 4% sur Poulpagne, hein, c'est pour dire. Pourtant, c'est pas ultra dur, hein, mais. Bon, j'en ai pas beaucoup fait des Poulpagnes. Hein. Est-ce qu'on a un PA sur 4% sur ce G? Bon, qui est loin d'être le plus beau qu'on a eu, mais c'est quand même clean hein, dans l'ensemble. Pas de 4%. On enchaîne là sur une tenta bon, qui est pas franchement géniale. Il y a beaucoup de choses à retoucher. La vitalité elle est un petit peu entre deux là. Et forcément ça a du mal à passer. Moins 30 là-dessus. Bon je vais récupérer l'over sur les dommages. Hop. Sauf si j'ai du double crit bien sûr. Ok, moins 5. Bon c'est correct hein, dans l'ensemble. Moins 3 ici. Moins 13. La sagesse qui crit, et on est bon. On a donc 41,2. Alors peut-être qu'on a un tout petit peu de rab. Je me suis pas trop cassé la tête à compter trop loin en arrière. Là j'ai eu un moins 1. Là j'avais un. Ok, normalement j'ai de quoi tenter. J'ai plus de 42, hein, je pense. Donc je dois être à 7 tentatives qui devraient pouvoir passer. Une, deux. Ouais, les 7 passes. Je pense que je devais avoir 43, un truc comme ça. Pas de PA. On continue avec une tenta à 91 depuis. Alors, la vitalité va y aller en premier, je pense. Ouais, hop. Moins 20. Là, je vais mettre une rune qui pèse 3. Est-ce que j'y vais sur la chance? Ce sera même pas spécialement utile. On va plutôt y aller sur. C'est de la païnée, ça. Ouais, hop. Voilà, comme ça. Et là, on va y aller à l'arrachat, hein, ce sera mieux, je pense. Ok, le crit. Là, j'ai moins 7, moins 17, moins 27. Hop. Ensuite, on enlève l'overchance. Ok. Et je crois qu'on est presque bon là, moins 6, 38 depuis. Bah, c'est parti. Hein. Bon, pareil, je peux tenter des crits à non plus de pouvoir là, mais bon, ça sert à rien. Concrètement, hop. Donc 6 tentas. Tentas, c'est parti. 1%. Et bien sûr, c'est là-dessus que le PA passe. Est-ce qu'on tente quand même un PO sur 1%? C'est quand même. Avoir 1% PO, c'est pas incroyable. Hein. Je serais plutôt d'avis à tenter. Bon, ouais, quoique. Ouais, si 1% PO, ce sera déjà cool. Dommage. Wow, alors là les amis, j'ai quelque chose d'assez fort qui vient d'arriver, donc j'ai 93 depuis. J'étais sur un G qui était perf sauf la vita et la chance. Et je voulais les maintenir, la vita en dessous de 300, la chance en dessous de 60 pour pouvoir faire le FM de manière plus maniable par la suite. Mais j'étais bloqué, enfin il fallait que je fasse une des deux, que je le fasse passer au-dessus de mes paliers de base, parce que tout le reste est perf. Et le PA tombe là-dessus quand je mets un petit overchance random quoi. Donc là on a potentiellement une tenta énorme qui va arriver, alors j'espère que ça va bien se passer, on va juste regarder ce qu'on me link.
PM, non, non, PM. Sur un puits PO, mettre un PM comme ça, non, il faut mettre 1% de res ou un overvita avec en général. Enfin, si on parle en termes d'optimisation. Hein. Hop. Alors, on va y aller sur le petit Tintel pour enlever l'over. Alors, est-ce que ça passe là-dessus? Ça passe en plus, moins 9. Et bien là, on a un G qui est solide, hein, je peux vous dire. Hein. Visé par 6, on a 14 tentas. 14 tentatives, et je vais y aller une par une, tiens, ce sera plus marrant. 14 tentatives d'exorèse. Allez, une qui passe, deux qui passe. Ok, si on fait les 14 comme ça, on va avoir un sacré item, hein, je peux vous le dire. Est-ce qu'on a un troisième? On a le troisième, est-ce qu'on a un quatrième? On a 3%, bon. Dommage, j'aurais bien vu un petit PO là-dessus, moi. On a ici une tenta qui arrive peu de temps après, 99,4 depuis. Alors, on est parti. On va commencer peut-être par la Vita ici. Hein. La Vita qui va être un poil complexe à baisser. C'est parti. Moins 30. Il me faut un truc qui pèse 4. Malheureusement, là, il n'y a rien qui pèse 4 sur l'item. Il n'y a rien qui serait intéressant de tenter. Donc, on va y aller sur une rune tacle ou un truc dans le genre. J'en ai une, rune fuit, nickel. Hop, voilà, pour retomber sur du 350. Ensuite, moins 10, ok, ça passe là-dessus, c'est correct. Ok. Est-ce que j'irai pas sur de la pas de haut par hasard? Ok, on a un crit là-dessus. On a 59. Bon, allez, on va y aller sur, tranquillement comme ça. Oh, les petits crits là, c'est très bien. J'ai bien fait de pas y aller sur de la pas de haut. Moins 10. Moins 10, ça nous laisse 49. Bon, là, clairement, on a 8 en tas. Hop. 8 en tas qui nous donne 1%, 2%, 3%. 3% sur un G à nouveau. Hein, qui est... enfin, de toute façon, faut que j'arrête de dire ça parce qu'à chaque fois, je vais chercher des G qui sont très très bien. Et pas de PA. Alors, on a ici une tentative sympa, mais j'ai un petit doute sur ce que j'ai. Si là, j'étais en train de tenter de la... des dommages. Ça veut dire que j'ai eu plus 1 ici et plus 4 ici. Et donc que j'ai 96. Je vais partir de ce principe, mais c'est possible que je me sois planté. On va, de toute façon, on va vite le savoir. Alors là, je vais forcer la pavie parce que ça m'amène directement à 350 et ce sera certainement moins coûteux que de partir en exo. 6, ok, moins 18. Bon, c'est quand même assez gourmand, mais c'est ouais, c'est peut-être mieux que si j'avais fait autrement. Ensuite, là on a 1, 2, 3. 4, moins 12, moins 10, la sagesse qui va arriver à 39, moins 9, moins 12 là-dessus, allez les petits dommages haut, moins 5, 30 tout pile, ça nous laisse 5 tentatives sur les raises, en avant, allez 1, 2, 3, j'ai un bon ratio, j'aime bien quand j'ai un bon ratio par rapport au reste que j'ai sur les succès qu'on a. Le PA qui est là, allez, le PO, si on peut avoir un PO sur ce jet, franchement, on a un item, mais monstrueux, quoi. Monstrueux. Allez, dommage. 95 depuis là-dessus. Alors, comment je vais gérer la vie? Je vais aller chercher les 345, ça évitera de manger trop depuis. Moins 3. Sachant que j'avais aucune certitude d'avoir mieux en partant sur un over. Moins 10. Ensuite la chance. Moins 20. C'est correct. Petit pourcent res, moins 6. Et le crit. Qui passe. Pourquoi ça me fait... Pourquoi en terminant le truc par plus, ça me fait... On va devoir refaire le calcul. 95,4, moins 3, moins 10, moins 20, moins 6. 56,4. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Bon, ça me l'a doublé. C'est bizarre que. Étrange cette calculette. Bon, alors 56 depuis. On a 2 en rab. Bon, pareil, on peut tenter le double succès crit sur la petite rune comme ça. Mais. Ouais, bon, ça passe pas. Je pourrais continuer. Hein, mais encore une fois, j'ai pas envie de me casser la tête. Comme, de toute façon, ça termine en PO. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, est-ce qu'on a un petit PA là-dessus? Pas de PA.
Et puis d'ailleurs, je vais devoir m'arrêter parce que j'ai plus de Kama et j'ai plus de runes. Un petit peu triste. Bon, je vous rassure, là pour le coup, souvent, hein, je dépense jusqu'à mon dernier Kama pour mes Tantas. Là, j'ai 55 millions qui sont stockés dans ma banque parce que j'ai une commande qui va m'arriver. Donc voilà, un item qui va m'être migré pour que je puisse le prendre. Donc bien sûr, je garde les Kama en stock pour ne pas faire de faux bons à la personne qui me l'apporte. Voilà, bon bah on reprendra ça dès que j'aurai un peu de thune. Hein. Alors, je me suis refait quelques petits Kama. Je suis allé faire ce matin un petit peu de drop. Session de drop à 8 persos avec des cras, avec des idoles. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, je me suis bien éclaté. Donc on a voilà, quelques Kama qui sont revenus et on peut reprendre nos Tantas Exo. C'est parti. Alors, la Vita. Qu'est-ce qu'on va faire de cette pauvre Vita? Il va falloir faire un over là. 3. Je pense que comme ça ce sera bien. On est donc à moins 6 ici. Ou alors je monte à 301. Ouais, je vais faire ça plutôt. Hop. Ok, on a du crit. Moins 3, c'est agréable. Et moins 10. Bon, j'aurais pu. Ouais, comme j'ai un moins 6, j'aurais pu monter à 300. 306 et espérer avoir un moins 6, mais si j'avais eu un moins 5, je me serais fait avoir quoi. Donc bon. J'ai voulu jouer, j'ai perdu. Sans pis, je suis à 345, j'aurais pu aller chercher le 350. En tout cas, ça nous fait 78 de puits restants. On va aller chercher les 50 de chance. Moins 6. Hop, ça passe plutôt bien. Moins 10 ici. 8. 7. Le crit. Et donc moins 12. Hop. 50 de puits restants. Bon alors là pareil, hein, je peux tenter les petites runes réfixes. Je vais faire deux tentats runes vie, parce que ça me ferait quand même bien plaisir de passer à 300, 350. Donc ça nous fait 48. Alors, voilà, je mets sur la calculette pour ceux qui veulent suivre un petit peu avec ça. Donc on a 8 tentats res R. Hop. Alors une. Et 1%. Pas de PA. On a ici un puits de 97,6. Alors j'en avais peut-être un petit poil d'avant. Je verrai si je suis à une tenta près à la fin. Enfin, quelques poussières pour avoir une tenta si je recompte. Pour l'instant, on part là-dessus. Alors le jet est très bien, sauf la vie et la chance qui sont vraiment basses. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un overchance tout de suite. Moins 30. Et je vais récupérer l'overchance sur une pavie en espérant que j'ai pas un crit. Ok, voilà. Nickel. Et je peux aller chercher tranquillement mes 349 vita. Là j'ai moins 20, hein, hop. 47,6 de puits. Bah là effectivement je pense que je vais tenter les 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai eu un crit, alors est-ce que je prends le risque d'en retenter une de plus? Alors là j'ai eu combien de puits qui est arrivé? J'ai eu un de puits. Ah non, c'est quand même risqué. Je préfère avoir une tenta PO là-dessus que de chercher le 4% à tout prix. Bon, bah ça règle la question. Hop, on a ici 86 de puits. Bah le G est pas mal dans l'ensemble, hein, c'est tout à fait correct. Juste la petite ravie qu'il va falloir passer. Ok, moins 20. On va enlever ça avec une réfixe. Hop, ah, moins 11, hein, dommage. Ça nous laisse donc pile poil 11 tentas, bah c'est nickel. Hop! En avant, alors une, deux, 2% a priori, hop, oh, décidément, 97 de puits ici, c'est parti, on va commencer par la vitalité, hop, moins 10, ensuite la chance, 6, ça commence plutôt bien, hop, ensuite, la sagesse, il ne restera plus que les dommages à remonter. On a un crit. Et moins 5. Hop, donc 56. Donc là, pareil, je peux tenter le double succès crit là-dessus. Ok, je n'en ai pas. Donc on a 9 tentats. Une. 2. 2%. Allez, j'aimerais bien avoir une tenta PO ici. Oh, décidément 88 depuis là-dessus. On commence par la Vita. Hop,
Qu'on va baisser avec une rune pod ici, hein, ce sera optimal. Qui passe en plus. Rune pod qui doit peser normalement 2,5 de puits, hein, si je me trompe pas. Et on la récupère là-dessus. Donc ça me fait normalement là j'ai plus 0,5. Bon ça c'est vraiment de l'abruti. De toute façon on s'en fout parce qu'on le repère derrière et ensuite on a plus 2,5 moins 10. Hop, 61 ici. 10. Et décidément, on est combien là des rages? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein. Aïe, ça pique. Moins 42. Et donc je n'ai qu'une tenta. Bah, c'est un petit peu décevant. Peu décevant tout ça, et bien sûr ça passe. Hop. Alors là, il va falloir faire un petit over vita. Hop. Moins 3. De ravi, ça passe bien, c'est nickel. Et on va enlever l'over avec une res fixe. Hop, voilà, nickel. Ensuite, la chance. On va la monter à 60. Donc là, j'ai moins 3, moins 6, moins 9, moins 12, moins 18, moins 15, pardon. Hop. Bien ça, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Hop, la rachat. 10. La sagesse qui passe. La petite esquive PA qui passe également. On se retrouve donc à 41 de puits. Alors est-ce que j'en avais un petit peu d'avant? Là j'ai eu moins 1. Là j'ai eu plus 1. Et là j'ai eu plus 1,4. Donc normalement j'ai de quoi faire 7 tentatives. Je devais avoir un tout petit peu de résidu de puits d'avant et ça me permet d'avoir plus de 42 de puits. Donc on va voir si je me suis planté ou pas, mais je ne pense pas. Ok, bon bah de toute façon vu le jet qu'on a. Ok non c'est bien, la dernière rune était rentable et effectivement on pouvait la passer. Alors un petit PA là-dessus. Non, toujours pas. On continue avec une Tenta 98 depuis ici. Ce qui n'est pas sur un jet très très propre. Hein. Alors remonter tout ça. Alors moins 3. 20. Hop. Le petit over qui s'en va comme ça, qu'on récupère, bon j'ai un moins 6. La chance, double crit. Est-ce qu'on a un triple crit? Bon, ça aurait été beau, mais pas mal de succès là, ça nous met bien. Moins 9. Moins 15. 7. Hop, donc 44 depuis. Bon on peut tenter du petit crit là-dessus. Ok, 42, donc ça nous laisse 7 tentatives de raise. Hop. On a combien de pourcents? 1%. Ce sera donc 1%. Décidément, les PA, ils ont du mal à repasser, j'ai l'impression. Hein. Alors, avant qu'on garde un petit peu ce puits PA là, on va jeter un oeil sur le chat. Il s'est passé un truc assez drôle là. Bon, on est outre les petites dépenses de runes que j'ai. Il y a trois exos qui viennent de passer presque en même temps là à l'atelier, donc ça a fait un petit peu d'animation. Un exo PM, un exo PA et un deuxième exo PM sur une dizaine de secondes quoi. Ils sont passés tous d'affilée, donc j'espère que j'aurai un exo PO qui va suivre. Voilà, bon ça c'était juste pour la petite anecdote. Alors sur notre item, on a 98 de puits, bah en avant, hein. Allez la petite ravie, défonce déjà 20 de puits. Ensuite, la chance, on va aller à 60. 12. 22. Puis là, il n'y a plus que les res neutres à remonter. Et on est bon. Moins 12. Bon, bah, c'est correct, hein, 44 de puits. On va mettre une petite réfixe. Il ne passe pas, donc 7 tentas. Hop. Allez, une, deux. Peut-être une troisième. Une troisième. On a le 3%. On n'a pas le PA. On continue sur un G un petit peu pourri là. Bon bah allez, on est parti. Enfin bon, pourri non. Tout est clean à part Vita et Chance, mais Vita et Chance vont être un petit peu chiant à remonter. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on va le dire.
Effectivement, là déjà moins 40 sur la vitalité. Il va falloir que je lance. C'est très fixe et il faudra faire pareil sur la chance ensuite. Ok. Moins 28. Hop. 26 depuis. On peut tenter un crit. Bon, il va en falloir deux. Mais ça risque de ne pas aller bien loin. Ok. Donc on est à 4 tentats. Hop. 1, 2, 3 et 4. On continue. Alors là, au niveau des G, on va y aller sur la vie, hein, comme toujours. Enfin, comme souvent, en tout cas. Moins 6. Allez, à la ravie. Le crit est très apprécié ici. Enfin, on a du moins 5. On arrive sur un G qui est pas mal au niveau de la vita. Hop. Moins 6. 16 et 26. Hop. Bon bah la sagesse et on est parti. Qui crit? 63. J'avais peut-être un poil depuis d'avant mais j'en doute fortement. On va tenter un crit à la... Vient de la Pafo ça, ouais. À la Pafo. On a du crit, on n'a pas de crit. Ouais, bon je m'arrête là, hein. Encore une fois, j'ai pas envie d'avoir plus que 6 en exo, sinon ça fera un double exo quand je vais tenter la rune. Et ça me défonce un peu mes chances d'en passer. Donc on va y aller sur une dizaine de tentats. Hop. Bah, c'est parti. Ok, on a directement les 3%. Est-ce qu'on a un 4e%? Pas de 4e%. Dommage, hein, ça aurait pu. Le petit PA. Oh, c'est dommage. J'aurais bien aimé faire une tentata PO là-dessus. On reprend notre ceinture Vortex. Pardon, notre ceinture Poulpagne. Vortex, c'est ce que je viens de vendre. J'avais un G que j'avais fait en brisage PA en vidéo d'ailleurs, qui était relativement clean sur les lignes feu. Mais il manquait 1% de crit et il y avait 1% terre en exo, je l'ai vendu 8 millions, donc c'est bon. J'avais un mec qui voulait me la prendre à 16 millions, mais il n'avait pas les kamas, il voulait que je la mette de côté, mais il les avait pas pendant longtemps. Donc bref, voilà, c'est vendu, ça fait plaisir. Là on me demande à repasser un PO sur une ceinture. Ouais, bon si c'est pour des G comme ça, faites-le de votre côté, hein, les... Je veux bien pour des abonnés ou je ne sais quoi repasser des trucs en vidéo mais sur du gros G quoi. Bon alors là on a 96 de puits. Et on a un truc qui est plutôt clean. Hein. Hop. Nickel, la vita et on est directement sur du gros G. Hop. 76 de puits. Donc là j'ai 4 en rab. Donc les 4 j'en ferai rien. Je vais regarder si j'avais pas peut-être un petit peu de trucs en rab, mais non, là j'ai un dommage haut et un moins reliquat ici, je suis quasi sûr que je suis retombé à zéro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter le crit sur une rune fixe. Ok, bon bah. Moins 2, ça nous fait donc 12 tentats quoi, en gros là ça sert plus à grand chose. Techniquement, je peux en retenter une, mais il me faudrait un double crit. Bon, allez, on va faire les choses bien. Hop, voilà, bon bah. Là bien sûr, ça passe. Et je m'arrête là. Bon, ça me fait donc 12. 12 tentats, j'avais dit que c'était du pourcent RPO que je visais là-dessus, donc on est parti. Hop, 1%, 2%, ok, 2%, est-ce qu'on a le PA déjà? On n'a pas le PA. Bon, alors ici on a un plus PA sympa, la vitalité me traumatise un petit peu, il va falloir qu'on regarde comment on gère ça. Au niveau du puits, là je pense que je devais avoir un plus 4, puisque si j'ai eu moins 2 dommages hauts, c'est que j'ai tenté une rune qui doit peser au moins 6. Ça peut pas être une rune qui pèse 10. En fait, je sais plus hein, ce que j'ai passé, mais ça peut pas être une qui pèse 10, étant donné que sinon on n'aurait pas un plus reliquat. Ça peut pas être une esquive PA qui pèse 7, parce que sinon, enfin, comme elle est pas passée et que là je suis déjà à 15, c'est pas possible. Donc j'imagine que ça devait être une rune res neutre. Donc je pense que j'ai plus 4, j'espère que je me suis pas planté. Auquel cas, ça me fait 94. Alors là, la question c'est est-ce que je remonte la vitalité à 350? Auquel cas j'aurai un GPerf sur l'item, ou est-ce que je vais chercher juste les 345? Ça m'embête un peu. Allez, on va faire le maniaque, on va aller les chercher. Moins 3. Ok, ça passe, ça va. Je le paye pas trop cher. Si je pouvais avoir un moins 10 et pas un moins 11 ici. Bon, dommage, on a moins 11, mais c'est toujours mieux que 345 d'avoir 349. Ensuite, la petite raise neutre qui passe à moins 4. Les dommages hauts, moins 5. Et on est tout pile à 12 tentats. Ok, là c'est parfait. Dans l'hypothèse où je me suis pas planté avant, bien sûr. Hop, allez. Ah, la chance.
quand même, on va pas forcer. Donc là, bon, techniquement, pareil, il me faudrait du double succès crit pour avoir un truc bien. Non, donc on est à 10 tentats. Heureusement que j'ai pas oublié la chance, sinon je me serais encore fait insulter dans les commentaires que ouais, Grey Fox a tant de menus de temps, il te manquait tel carac, c'est bon. Je connais ça. Allez, une. Deux. Trois. Allez, peut-être un petit quatrième. Bon, si j'ai un PA. Je crois que j'ai déjà eu un PA exactement sur ce jeu, j'avais tenté le PO plutôt dans la vidéo. Bah là, c'est pas le cas. On a encore une tenta sympa en 60-40 ici. On a 97 depuis. On va commencer par un petit Overvita. Ça va bien passer. Hop, moins 20. On va enlever avec une rune Ini. Winé, ouais, allez, c'est pareil. Hop. Ensuite, la chance qui passe. Moins 9. Les deux hauts. Moins 10. Les restes feu. Ok. Là, on est à 58 apparemment. Alors, est-ce que j'en avais un petit peu d'avance? Ce serait bien. Là, j'ai dû avoir un plus 6. Là, j'ai eu un moins 5. Donc, déjà ici, j'ai un depuis. A priori, hein, je suis pas sûr à 100%, mais ça devrait être ça. Je dois avoir un ici. Là, je dois avoir 3. Là, je dois avoir un moins 3. Et là, j'ai dû avoir un plus. Alors si là j'ai un plus 3 c'est bon, sinon je considère que c'est mort. 8, j'ai un plus 2 ici. Non, donc il me faut un. Je pense que j'ai à 59 là. Je dois avoir 59. Si je peux avoir un crit à l'ini par exemple, je considérerais que j'ai 60. On a du crit. Non. Bon bah allez, on va dire qu'on a donc 8 en tas. J'ai rien oublié, c'est bon. Hop. Une, deux, allez, un petit troisième. Troisième, 3%, c'est pas mal. Dommage. On continue sur 88 depuis cette fois-ci. Allez, let's go, la vita, la chance. Moins 40, ça picote. Hop. Bon, ensuite, la sagesse. Bon, là, le G était, était pas dingue. Hein. Okay, on a un petit crit. On a moins 5 ici. Et moins 6. Il nous faut donc 37. Bon là clairement on peut y aller sur 6 tentats. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a une tenta PO là-dessus. Décidément les PA ils sont un peu capricieux. On continue. Alors la Vita, on a ici 96 depuis cette fois-ci, moins 3. La Ravi qui passe, moins 10. La chance, hein, je vais aller chercher les 70. 6. Moins 16, hop. Ensuite, la Res Note qui enlève l'over. Il manque un crit et on est bon. Hop, le crit qui passe en plus. Ça nous fait donc 67 depuis, plus la Res Note. Techniquement, ça me fait 69. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de tout ça? Est-ce qu'on tente. Il faudrait du double crit sur la Res Note. Franchement, il y a ça, tellement peu de chances de passer qu'on va y aller directement sur les Res. Et on est cette fois sur 11 tentats. On se tenta là-dessus, j'ai rien oublié, allez zou, 1, 2, allez au moins 3, voilà 3%, c'est pas mal. Oh là là! Bon là on a un G un peu foireux on va dire, 1,96 depuis. Alors la Vita, la Vita, la Vita, je vais commencer par la chance, hop, moins 10, comme ça je peux passer ma pavie en tapant dans l'overchance, ça c'est tout ce qu'on aime, hop, ensuite... On enlève leur chance, jusque là j'ai pas fait de conneries, c'est pas mal. Allez, les petites ravis qui passent, pas trop gourmand en puits, jusque là c'est correct. Et ah, moins 11, quel dommage, sinon je serais arrivé sur du G-perf, ce qui aurait été très bien. Bon, j'ai essayé, on pourra pas me le reprocher. Bon, on a du coup un moins 1 vita, c'est tout à fait correct. 57 depuis. Est-ce que j'avais un peu de rab avant? Là, moins 3, là j'ai plus 1, là j'ai plus 5. Nickel ça. Ah non, ça dépend de ce que j'ai tenté pour essayer de passer la... Bordel, là j'ai dû avoir un moins 4 ici. Là je devais avoir un... Ouais bref, j'ai pas le puits. Bon, on va tenter une rune qui pèse 3, c'est de la pas fausse, ça, nickel. Hop! Elle a un petit crit? Non. Non, bon. Du coup j'ai 9 tentas. 9 tentas res.
Il va falloir que j'aille en racheter bientôt. Hop! Allez, une, deux, 2%. Oh là, c'est incroyable, hein, y a aucun PA qui repasse. Jamais vu ça. Bon. On a ici une Tenta qui est pas incroyable. Bon, allez, on part en Overvita, mais franchement, c'est pas top. Je suis un peu sceptique sur ce qu'on va en faire. Hop, moins 20. Allez. Ça a mis super longtemps à tomber là. Franchement, le nombre de runes que je claque, c'est assez incroyable. Allez, on va mettre 2 rachats, moins 10. Et là, ça fait déjà 6 fois que le PA repasse pas, enfin d'affilée, c'est un petit peu frustrant. Bon, alors là, bien sûr, on a le crit quand on n'a pas spécialement besoin. Ça, c'est la classique. Moins 2, bon, ça fait gagner un peu de puits. Moins 6. 47, est-ce que j'ai un de puits qui peut me rester de rab? Je crois pas avoir le moins 1 de vie, moins 1 de chance ici. J'en doute. Ouais, c'est quasi sûr que là je suis retombé à 0, sinon ça m'aurait pas fait une ligne comme ça. Bon bah dans ce cas il faut qu'on tente un crit pour passer à 48. Allez. Non. Bon bah... Dommage. Bon allez, on va mettre 7, je pourrais encore essayer de grappiller des crits sur d'autres trucs, mais ça commence à me saouler. Donc on va mettre 7, 7 tentas comme ça. Hop là. Une, deux, trois, et puis on a 3% là-dessus, genre improbable. Complètement improbable. Et le PA, toujours pas, hein, toujours pas. Ça fait 7 PA d'affilée qui repasse pas là. Allez, on a un puits PA ici. Il faut que je remonte la res neutre, j'en ai plus qu'une. Là, c'est le moment où j'espère vraiment que ça va passer. Ça me ferait chier de devoir aller en racheter. Bon, allez, on commence par l'Overvita. Moins 20. Hop. On va mettre une petite res fixe. Moins 10, ok, pour une fois j'ai moins 10. Donc là, je vais avoir un G-perf. Ça, c'est la bonne nouvelle. Là, on a moins 4. Là, on a vraiment du G-perf perf. Ça, c'est ce qu'on aime. Hein. 70 de puits restant. Allez, là, il me faut au moins un succès neutre. Eh ben, il suffisait que je le dise pour que je doive aller racheter des runes. Super, super. Bon, allez, j'interromps pas le record, mais je prendrai juste celle-là. Je referai le plein juste après, je pense, mais en off. Alors, neutre. C'est très, très, très désagréable. Hein. Bon, cela dit, là, avec le G qu'on a, je pense que si j'arrive à avoir déjà un perf 3%, je stopperai la série. Là, je m'arrête en gros sur soit du perf 3%, soit du 4% propre, soit du au moins 2% PO. Ça me paraît être correct. Décidément. Ok, bon. On perd beaucoup de tantas là-dessus, c'est un peu triste. Est-ce que j'avais un peu de puits en rab avant? Là, j'avais que dalle. Là, a priori, je perds beaucoup. Là, j'ai eu plus 5. Et là, j'ai eu 6, 7. Là, j'ai eu moins 2, plus 5, moins 2. Donc, ok, j'ai 3 de puits en rab. C'est ça, hein? 5. Plus 6, 11. Ouais, là, j'avais 2. Ok, donc j'ai 2, plus 2, bah nickel, c'est tout ce qu'il fallait. Ça me fait donc 9 tentas. Super Grifox, allez, on va racheter des runes encore, 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 c'est... Waouh! Meilleur moment de la vidéo, attention, lâchez bien sûr le petit like pour ça. Ça me paraît être tout à fait mérité. Super gestion des runes par notre jeune forge mage. Hop! Sans compter les Kamas que je défonce, franchement, au rythme où je vais là, si j'ai une tente à payer ou tous les 10 PA, franchement, j'aimerais régner sur l'item. Hein. Ça m'inquiète un petit peu, mais bon. Allez. Ça veut dire que normalement, avec le karma, ça va bien se finir. 9, allez, 1, allez, ça commence bien, voilà. 2, 3, 4, 5. Ah putain. Bon. Franchement, si j'ai une 2% PO sur ce G, il n'y a aucun souci, je prends. On retrouve notre poulpagne, alors ça fait un petit moment que j'avais pas touché l'item, je reprends donc la vidéo ici. On a 90 de puits, hop. Bah déjà moins 18 là-dessus, je sais pas du tout pourquoi j'ai commencé par les raises, c'est un peu con. Du coup je vais m'occuper plus de ce qui est un petit peu plus urgent, à savoir la vitalité en l'occurrence ici. On est à 215, c'est un peu embêtant ça, je vais donc devoir y aller. Sur de l'over. Donc il faut que je monte ici à 305, puis à 355. Ok, ça passe assez bien. On est 1, 2, 3, 4,
Moins 22 de puits sur la Vita qu'on va enlever avec de l'Ini. Bon, j'aurais bien aimé me dire une chance éventuellement. Ok, on a le perf Vita, ce qui est déjà une bonne chose. Ensuite, on a moins 5 de puits par là. Et moins 10. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah c'est super ça. Bon allez, on y retourne. Alors, j'avais 90, moins 18. Moins 22, moins 5 et moins 10. Ok, on est good. 35 de puits. Je vais enlever le mini over avec une res fixe. Hop. Et bah voilà, c'est pas trop mal tout ça. Moins 4. 31 de puits. Bon, là, il y a clairement rien à faire du 1 de puits en rab. Je vais y aller donc sur les res. On avait dit res R là-dessus, je crois. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. 1%, bon, c'est pas folichon. Et on n'a pas le PA. Alors, on a ici une Tanta qui est vraiment chouette. On a 93,6 de puits. Et regardez la propreté des lignes. C'est très sympa. On va pouvoir arriver sur un moins 1 Vita et tout le reste perf. Ça, c'est tout ce qu'on aime. On a moins 13 ici. On n'a plus qu'une rachat, je crois. Hein, qui passe. 70,6 de puits sur un G qui est vraiment très très clean. Est-ce que c'est possible que j'ai quelque chose avant? A priori là je suis retombé à 0 probablement. Donc on doit avoir 70 de puits. Les décimales on n'en fera rien. Il me faudrait un crit à la res fixe. Un petit. Enfin! Enfin! Ça fait je sais pas combien de fois que je vous fais ça. Il y en a ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait si... Parce que c'est vrai que ça passe assez rarement. Donc là avec le crit en fait je gagne 2 puits donc ça me fait gagner une tenta. C'est comme si j'arrivais si vous voulez. À 72 de puits. Bon, j'ai pas 72, j'ai 70, mais la première rune que je vais passer, elle va coûter 2 de moins. Donc là, en fait, j'ai 12 tentas. Ah, bah c'est bien que j'ai un petit cas d'école, un petit cas théorique comme ça qui se passe très bien. Donc on a 12 tentas là-dessus. Je vous propose qu'on les passe une par une. Je vérifie que j'ai pas oublié un truc quelque part, parce que ça m'arrive des fois qu'il me manque un machin qui est gros comme un camion, mais moi je le vois pas. Ok, là on a vraiment un jet très clean. Allez, 12 tentas. Une première premier pourcent qui passe, ok. Allez, le petit deuxième, il arrive quand? 2%. Déjà un 3%, ce serait bien. Non, bon. Si on a un 2% PO sur ce G, franchement. Ah, oh, quel dommage. Bon, bah, quelques runes plus tard, j'ai à nouveau le PA qui tombe. Alors, j'ai pas du tout eu le temps de remonter le G comme j'aurais voulu. On va devoir bricoler un petit peu avec ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? À nouveau, je vais être embêté là. Je suis à 217. Ah, il faut que j'aille à la pavie. Comme ça, comme ça. Ok, si j'en mets encore une, j'arrive à 262 et je pourrais y aller à la rune pod ensuite. Je crois que c'est le mieux à faire. Hein. Hop. On me link là. Ben non, il faut pas mettre un PM sur un item à plus PA, c'est pas du tout optimal. Alors j'ai moins 29 de Vita. Hop, on va mettre la petite rune pod. Hop là, bon, on gagne une broutille de puits, mais concrètement, on s'en fout. On va y aller maintenant sur la chance qu'on va aller chercher en perf, bien sûr. Moins reliquat, là, je dois avoir. Bon, techniquement, là, j'avais plus 0,5 de puits normalement. Et là, moins 0,5 de puits. Donc, normalement, là, mon puits n'a pas bougé. J'espère que je ne me suis pas planté, mais normalement, c'est ça. Moins 20. Hop, la petite 13 fixe. Hop là, allez, la sagesse qui crit. Oh, bah, je le dis avant que ça passe. Je le sentais, le petit crit. Là, on a moins 4 et moins 10. 35 de puits. Ah, j'aimerais bien avoir un petit puits en plus. Là, on a un plus 2 ici. Là, on n'a rien. Et là, on a 2, 5, moins. Et bah là, c'est bon, là. J'avais 2. Là j'ai plus 5 et j'ai moins 6 donc j'ai plus 1. Donc on a les 36, voilà. Toujours savoir un petit peu remonter dans son FM pour lire un petit peu l'historique. Ça nous laisse 6 tentas sur ce G, bon, qui est un petit peu moins bien que celui d'avant, mais qui est toujours assez sympathique quand même. Et je me suis chié. C'est bien la peine de faire le malin pendant 1 heure, c'est d'être peut-être sur les pods que je me suis planté ou je ne sais quoi. Enfin bref, bon c'est dans la prospection que ça a tapé, c'est pas bien grave. Et ça passe pas. On a ici une Tanta à 95 de puits. Bon, le G va être à peu près clean. Moins 3.
Le petit crit. Ah, il me faudrait deux crits à la race, la rachat. Ça me ferait chier d'aller chercher des runes. Il suffisait que je le dise. Donc j'ai dit moins 13 pour l'instant, décidément. Hop, allez, on va se reprendre. On va prendre 100 ou 200 rachats. Ça devrait le faire. En plus, ça vaut pas très cher celle-ci. C'est pas un problème. Hop. Les petites runes. Bon, je sais que idéalement, il faudrait regarder si les chats, si les pas chats sont moins chers quand on fait du craft et tout. Hop, je suis pas à ça près. Hop là, en plus je me suis fait quelques petits camas, j'ai un bouclier qui va m'être livré aujourd'hui, un bouclier Stalag 2% R, ce qui fait tout de même assez plaisir, donc j'ai provisionné les camas pour ça. Hop. Ok, moins 10 à nouveau. Puis on est presque bon là, on va pouvoir y aller. Hop, les petits dommages, le crit. Moins 12 sur les raises, c'est dommage. Ah, il me faudrait un crit là-dessus, ce serait bien. Dommage, moins 7. Je sais pas ce que j'avais avant dans le FM. Là, je sais pas. Vous voyez, j'ai repris. J'avais peut-être un puits en rab. Là, ça me fait 53. Allez, je vais dire que j'ai 54, on va faire le fou. J'ai décidé de jouer mon aventurier. On va dire que ça passera. Là, j'ai pas grand-chose à. Ah, là, je commence à avoir quelque chose à perdre quand même, hein. Ah bah non, je sais pas si j'avais du puits en rab. Si j'en avais pas, je suis un peu bloqué, donc on va rester là-dessus, je pense. Hein. Ah, j'aurais dû. Je pensais que ce serait à l'arrache, quoi. Puis, si j'ai un 3% là sur un jet comme ça, allez. On va remettre le petit PA bien sûr qui passe. Bah, je vais tenter le PO là-dessus, bien sûr, mais je le ferai dans une prochaine vidéo, je pense, étant donné que là, la vidéo, ça fait un bon moment qu'elle dure, je pense. Bah forcément, hein, c'est pas le genre de. C'est pas le genre d'FM qui est facile à faire. Bon, là, on a un truc quand même qui est correct. J'en ai eu un plus beau, hein, il me semble, au début. J'ai eu un pareil avec 40 sagesse. Bon, ça aurait été bien. J'aurais pu le vendre aussi bien cher dans l'état. Mais bon, moi, là, mon but. Moi, en fait, si vous voulez, la Forge Magie, c'est pas ce dont je me sers pour me faire des kamas. Moi, c'est ce dont je me sers pour détruire mes kamas. Donc, j'ai aucun problème à me dire que je perds des kamas sur mes FM, puisqu'en fait, c'est la seule manière de laquelle je dépense mes kamas. Après, mes persos sont stuff. J'ai mes deux fus, j'ai mes monsures, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Les seuls trucs que je peux améliorer maintenant, moi, c'est mes items à avoir des meilleurs jets. Donc c'est la meilleure manière pour moi d'utiliser mes kamas et c'est celle aussi qui me procure le plus de plaisir, c'est la forge magie et tenter des trucs un petit peu osés. Donc à chaque fois, certains disent, ouais, t'as tenté un PO là-dessus, une invo, t'aurais pu le vendre tant, mais je m'en fous de vendre tant. Moi, justement, ce que je veux, c'est des beaux items. C'est pour moi le but de faire des kamas, c'est de les dépenser là-dedans. Donc, bah, je tenterai le PO là-dessus, je pense, prochaine vidéo, puis on continuera sur cet item. Je voudrais vraiment avoir un PO. Alors, j'ai une petite problématique, vous allez peut-être me donner votre avis là-dessus. C'est en ce qui concerne le format, parce que du coup, c'est un petit peu long. Si je mets 200 tentats à passer le PO, j'ai envie de vous le faire en vidéo, parce que je sais que ça vous plaît beaucoup. En plus de la Forge Magie, on réclame tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur chaque vidéo de colis, on me dit ouais, j'aime bien tes colis, ton PVP, mais fais-nous de la forge magie, de la forge magie. Bon, c'est pas le même investissement à faire, ça demande plus de montage après pour moi. Ça me demande aussi de dépenser des kamas, alors que, bah, comme je disais, hein, ça me dérange pas de les dépenser. Mais quand j'en ai pas. Alors que le colis, bah voilà, mes persos sont stuff, je peux en faire autant que je veux. Donc la question c'est comment je vous présente ça? Est-ce que je vous fais juste un petit condensé des plus belles tentas? Est-ce que je vous mets juste quand le PO passe, ou est-ce que je vous fais comme ça des vidéos qui peuvent être longues, qui peuvent ne rien se passer dans la vidéo. Mais je sais qu'en fait, beaucoup aiment les mettre en fond quand ils font leur forge de magie, d'avoir quelqu'un qui fait un peu d'FM, qui en parle. Ça fait une petite présence, je pense, il y en a beaucoup aussi qui regardent mes vidéos d'FM comme ça. Donc bah, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voulez que je vous fasse, quel format je dois adopter pour ce genre d'FM qui sont un petit peu longs, hein, qui demandent beaucoup de patience, et qui ne sont pas forcément évidents à mettre en œuvre pour les mettre en vidéo. Et puis voilà, bon là j'ai un petit client pour Nidas. Hop, ça va me refaire un petit peu de Kama. Estimation sur Jol. Oui, bon, je verrai ça plus tard. On notera quand même, pour terminer cette vidéo, le petit 4% dont je me rappelle bien qui n'est pas passé. Hein. J'étais un petit peu triste quand même, parce que bah, 4% ça fait plaise. Surtout sur des jets clean, hein, comme je fais à chaque fois. Bon, bah, ce sera pour une autre fois. Hein. Si je dois passer à un 4%, j'aime autant que ce soit sur un item un petit peu plus, enfin, plus dur à FM que ça. Bon, un 4% sur Pulpagne, ça va, c'est un peu comme Ménoture, quoi. C'est des trucs, ça circule beaucoup. C'est pas des jets de l'année, quoi. Mais ça m'aurait quand même fait bien plaisir. Pour l'instant, j'ai jamais passé de 4% propre. J'ai eu plein plein de tentats, mais j'ai jamais eu de. Pourtant, c'est pas les heures de forge magique qui me manquent, hein, mais j'ai jamais eu de. À chaque fois, ça repasse pas, quoi. Bon, ça finira bien par m'arriver un jour. Hein.
Voilà, donc fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, liker, vous abonner, mettre un petit commentaire pour répondre à la question que je vous ai posée sur le format ou pour me raconter votre vie ou de dire votre ressenti là, sur tout ça. Enfin, c'est à vous de voir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.